Salut l'ami, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment commencer le trading sportif en 6 étapes, même si tu n'y connais rien du tout. Tu vas voir, c'est facile à mettre en place et c'est rapide. Mais avant de t'expliquer ces étapes, je te demande de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors, le trading sportif n'est pas encore aussi populaire dans nos pays francophones qu'il ne l'est en Grande-Bretagne. Cependant, ces dernières années, eh bien, de plus en plus de gens, de parieurs aussi, s'y intéressent par chez nous. Ce qui est assez logique, hein, étant donné qu'il y a de nombreux avantages au trading sportif et eh bien, les gens commencent à le savoir, à le remarquer. Donc, le trading sportif, il faut savoir que ça se pratique sur un betting exchange et non pas chez un bookmaker. Ça, c'est une différence fondamentale. Différence majeure qui donne déjà plusieurs avantages rien que par ce changement de plateforme. Trois avantages notamment. Premier avantage, c'est que les cotes sont plus élevées sur un betting exchange que sur un bookmaker. Ça, tu dois le savoir car c'est très très important et c'est la clé de ta réussite sur le long terme. Le bookmaker, en fait, il calcule une cote, pardon, au plus juste, la cote théorique, hein, il essaie de se rapprocher de la réalité. Ensuite, on dit qu'il la rogne pour s'assurer que le profit sera de son côté sur l'ensemble des paris qu'il propose. On dit aussi qu'il applique sa marge. Alors, il faut savoir que plus cette marge est élevée, et moins le parieur aura de chances de gagner de l'argent sur le long terme, puisque les cotes sont en faveur du bookmaker. Alors, il faut savoir que selon les pays, cette marge elle est de 5% et montée jusqu'à 15%. La carrosse catastrophe, notamment, c'est sur les bookmakers Argel qui sont situés, enfin, les bookmakers français. Alors, par exemple, si le bookmaker définit la cote correcte, hein, la cote au plus juste, s'il doit donner 2, en fait, il te donnera 1,90 ou 1,80, ok? Et ça assure son profit sur le long terme. Sur un betting exchange, c'est différent, puisque la cote d'un pari est le résultat de l'offre et de la demande entre les parieurs qu'on appelle des traders sur un betting exchange. Okay, donc, je vais parler de traders sur un betting exchange. C'est une cote d'équilibre entre ceux qui parient pour un événement, on appelle ça des backers, donc parier pour la victoire de Liverpool par exemple, et ceux qui parient contre ce même événement. Ce sont les layers et eux, ils parieront contre la victoire de Liverpool. Donc, cette cote finale, elle est souvent au plus juste. Hein, vu qu'on dit que la masse a raison, c'est un peu comme sur les marchés financiers. Donc cette cote est au plus juste. On dit que le système il est efficient pour définir les cotes. Ça veut dire quoi, hein? Dire ça en d'autres termes, ça veut dire que la cote reflète précisément, du moins au plus juste possible, eh bien la probabilité de l'événement. Si la proba d'un événement de la victoire de Liverpool est de 50%, la cote sera de 2 sur un betting exchange. En tout cas, elle sera proche de 2 parce que c'est un système efficient. Cependant, le gros avantage, eh bien, c'est quoi? C'est que sur le betting exchange, hein, on va pas parler de marge, ok? On va parler d'une commission. Donc, le betting exchange prend une commission sur cette cote. La cote que tu vas toucher, donc si la cote juste est de 2, en réalité, tu vas pas toucher 2 comme cote. Si tu gagnes, tu vas toucher 1,97 sur Orbitix, par exemple. Et tu vois qu'en fait, cette commission, en fait, ça joue le même rôle que la marge, ok? Si tu choisis donc Orbitix comme betting exchange, cette commission, comme je te l'ai dit, sera uniquement de 3%. C'est pourquoi, au final, en fait, tu as les cotes réelles, hein, je veux dire après marge ou après commission, et les cotes que tu touches sur un betting exchange seront bien plus élevées que sur un bookmaker. Deuxième avantage, c'est que les traders gagnants sont les bienvenus sur un betting exchange, alors que les parieurs gagnants sont éjectés très rapidement par les bookmakers. Cela vient du fait que, en fait, la rémunération d'un betting exchange se fait par la commission appliquée sur les profits du trader gagnant. Okay, les fameux 3% de commission dont je te parlais tantôt. Et que le profit total du trader gagnant est payé par le trader perdant. Okay, donc pas par la plateforme, c'est le trader d'en face qui a parié l'inverse, eh bien, qui va payer le gain. Donc le betting exchange gagne de l'argent sur chaque trade placé et peu importe le résultat. Donc, au final, le betting exchange ne se soucie pas de qui gagne et de qui perd son trade, okay? Car ce n'est pas lui qui paye les gagnants, donc il n'en a rien à cirer. Il ne fait que prendre sa petite commission, hein, 3% sur Orbitix, sur les profits. Donc, c'est même l'inverse dans ce cas-ci, vu que plus il y a de traders sur la plateforme et plus il s'enrichit, plus il prélève de commissions. C'est pourquoi tu ne seras jamais
exclus d'un betting exchange, entre parenthèses, sauf si tu as des activités frauduleuses, mais je ne pense pas que c'est ton cas. Troisième avantage, c'est que les mises ne sont pas limitées sur un betting exchange. Ou en tout cas, si elles sont limitées, je n'ai jamais atteint cette limite. Okay? La seule chose qui peut limiter ta mise en fait sur un betting exchange, c'est la liquidité du marché. Donc en face, tu dois avoir assez de traders pour matcher ton trade. Sur un match de première ligue, tu n'auras aucun souci parce que tu as des millions d'euros qui sont tradés par type de pari et par match. Donc forcément, ta mise sera toujours acceptée, même si tu mises 10 000, 100 000 euros, elle sera acceptée. Par contre, tu dois bien comprendre que sur un match de deuxième division serbe, par exemple, tu risques de ne pas savoir placer de grosses mises puisqu'il n'y aura pas beaucoup de traders sur ce marché. Donc, tu vois, ça, c'était les trois gros avantages de trader sur un betting exchange plutôt que de parier sur un bookmaker. Alors, je ne te l'ai pas dit, mais le betting exchange le plus populaire au monde, c'est Betfair et il a quasi le monopole. Okay, c'est vraiment la grosse machine. La mauvaise nouvelle, c'est que Betfair n'est pas accessible directement depuis la plupart des pays, dont la Belgique, la France, etc. La plupart des pays n'ont pas accès à Betfair. Vraiment, quelques pays anglo-saxons et vraiment très peu de pays ont accès directement à Betfair. Ailleurs, c'est illégal. Heureusement, il existe des brokers qui nous donnent accès indirectement à Betfair via un outil comme Orbitix, qui est celui que j'utilise et qui est le plus connu et le plus sérieux actuellement. Donc, malgré ça, de nos jours, c'est assez facile et rapide de commencer à trader ses paris sur un betting exchange. Okay? Et donc, eh bien, ça m'amène aux fameuses 6 étapes. Donc, il y a 6 étapes qui te suffisent pour commencer le trading sportif. Comme je te disais, même si tu n'y connais rien et que tu pars maintenant de zéro, voici les 6 étapes. Étape numéro 1, eh bien, d'abord, tu t'inscris chez un broker, comme je viens de te le dire. À moins que tu habites directement en Angleterre, tu peux t'inscrire sur Betfair, mais si tu es dans un pays francophone, Belgique, France, etc. La plupart des pays européens, pays africains aussi, et tous les autres pays, tu devras t'inscrire chez un broker. J'utilise personnellement Asian Connect. Je te laisserai le lien dans la description de cette vidéo, car c'est un broker sérieux qui effectue les transferts d'argent dans l'heure et qui a un support très, très réactif. Aucun souci à ce niveau-là, j'ai jamais eu de souci. Ça fait maintenant des années que je suis chez eux. Et point important, c'est que comme dans ma communauté, il y a beaucoup de résidents français, c'est un des rares brokers qui accepte les résidents français. La plupart des brokers comme Betting Asia, par exemple, ou Premium Trading, ça n'accepte pas les résidents français. Pourquoi ? Aucune idée. Alors, étape numéro 2, tu ouvres un portefeuille virtuel, okay, comme Skrill ou Neteller. Moi, j'utilise Skrill parce que les frais sont plus bas, plus faibles que sur Neteller. Au moment d'écrire ces lignes, tu peux déposer de l'argent sans frais sur Skrill via un virement bancaire. Il te faudra juste 2 ou 3 jours être patient. Sinon, si tu as une carte de crédit, eh bien c'est 1% de frais avec ta carte de crédit. Et il n'y a aucun frais sur les retraits d'argent. Donc, ce sera juste sur le dépôt sur Skrill. Étape numéro 3, eh bien maintenant tu demandes au broker de t'ouvrir un compte Orbitix, qui est le betting exchange proposé par les brokers. Alors, il faut savoir que Orbitix, je te l'ai pas dit, mais c'est les mêmes cotes et les mêmes marchés que Betfair. C'est vraiment la copie, un produit blanc. Alors, comme je te disais, hein, ils acceptent la plupart des résidents de la majorité des pays. Il y a vraiment quelques exceptions, mais ça, tu dois regarder la liste. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que sur Orbitix, eh bien, tu as 3% de commission. Il faut savoir que c'est plus faible que sur Betfair lui-même. On est au-dessus des 5%, même peut-être 6%, je ne sais plus, mais c'est au-dessus des 5%. Eh bien, bizarrement, sur Orbitix, la commission est plus faible, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire plus de profit sur le long terme, moins de difficultés à passer dans le vert aussi. Donc, je vais te prendre un petit exemple. Tu mises 100 euros sur une cote de 2 et tu remportes ton trade. Okay, ça te fait un gain de 200 euros, 2 fois 100 euros, mais le profit avant commission est de 100 euros. Okay, gain de 200, mais tu as misé 100, donc tu as un profit avant commission de 100 euros. Tu appliques la commission de 3%, ça fait 3 euros. Donc, ton profit après commission sera de 97 euros pour toi, 3 euros pour la plateforme. Et oui, il faut aussi qu'elle vive. Alors, cette commission, eh bien, c'est à comparer à la marge du bookmaker, comme je te l'ai dit tantôt, qui varie entre 5 et 15%. Donc, tu as l'impression, tu te dis, oh, ben, c'est zut, je dois payer 3%, mais il faut savoir sur ta cote, mais il faut savoir que le bookmaker, il est plus malin, vu que quand il te donne une cote, quand il affiche une cote sur sa plateforme, hein, sur son site,
eh bien, il te donne déjà la cote après sa marge. Donc, toi, tu n'as même pas l'impression qu'il prend quelque chose, mais il l'a déjà pris avant. Okay? Donc, c'est moins transparent. Tu vois, chez un bookmaker, sur un betting exchange, c'est très transparent. Tu as la cote avant, tu touches un peu moins après, tu vois la commission que tu as donnée à la plateforme. Étape numéro 4, maintenant, tu transfères ton argent de ton compte Skrill ou Neteller hein, vers le compte Skrill, dans mon cas, d'Asian Connect. Alors, ce compte Skrill te sera donné par Asian Connect, et le compte Neteller aussi te sera donné pardon, par Asian Connect, c'est comme une adresse email. Attention ici, il y a des frais qui vont jusqu'à 2,99%, bref, 3%, qui peuvent s'appliquer sur ce transfert. Heureusement, tu peux quasiment les réduire, tu peux quasiment réduire ces frais à zéro en devenant ce qu'ils appellent un true Skriller, un vrai Skriller. C'est un statut, tu verras sur le site, c'est assez clair comment accéder à ce statut, c'est pas trop compliqué. Tu dois télécharger l'application Skrill sur ton téléphone. Tu dois faire un premier dépôt. Jusque-là, rien d'impossible. Et tu dois vérifier ton identité avec ta carte d'identité, etc. Et je te conseille vraiment de le faire puisque tu économises quand même 3% de frais sur les transferts. C'est pas négligeable. Moi, j'ai 0% de frais sur les transferts. Et quand tu feras le chemin inverse, c'est-à-dire du compte Asian Connect vers ton compte Skrill, il faut savoir que là, tu auras aucun frais. Donc, il y a moyen de faire tous les transferts entre ton portefeuille virtuel Skrill et Asian Connect sans frais, okay? Ou très très faible, vraiment dérisoire. Et, pardon, étape numéro 5, eh bien, là, tu as tout qui est prêt, tout est en place, mais maintenant, tu dois encore apprendre le fonctionnement d'un betting exchange vu que c'est quand même assez différent d'un bookmaker. Tu dois absolument comprendre le système de back-end lay qui fait la spécificité du betting exchange. Mais je te rassure, ce n'est pas très compliqué quand c'est bien expliqué. Et pour te faciliter le boulot, je te renvoie à ma formation Trading Sportif. Elle est 100% gratuite. Après cette formation, tu vas maîtriser betting exchange sur le bout des doigts. Je te laisse aussi le lien dans la description de cette vidéo. Étape numéro 6, ah, ben bien sûr, comme pour tout, il faut se former. Donc, tu te formes au trading sportif. Comment? Ben, en pratiquant auprès d'autres traders sportifs ou en suivant des formations sur des stratégies de trading. Donc, si tu veux participer à des séances de trading, eh bien, tu peux le faire notamment avec moi. Je ne sais pas si d'autres le proposent, mais tu peux participer à mes séances de trading plusieurs fois par semaine et c'est ce qui fait progresser très rapidement. Ça se passe dans mon club privé. Si tu es plutôt autodidacte, je peux aussi te renvoyer vers une de mes formations Trader Pro Betfair et là tu apprendras par toi-même. Je te donne des exemples, des cas concrets filmés en vidéo, des cas live filmés en vidéo et je t'apprendrai 6 stratégies de trading très efficaces dans le monde du trading sportif. Donc là, je viens de te donner 6 étapes pour commencer le trading sportif dès demain et je dirais même dès aujourd'hui. Alors, comme je te disais, hein, si ça te semble encore compliqué ce que je viens de t'expliquer là, bien, je t'invite vraiment à suivre gratuitement la formation Trading Sportif où je te montre toutes ces étapes eh bien, en filmant mon écran. Donc, tu n'auras vraiment qu'à suivre ce que je fais sur l'écran. Et je fais ça dans le but de te faciliter la tâche et de te lancer rapidement dans le trading sportif. Donc, bien, maintenant, eh bien, il ne tient qu'à toi, je dirais, de passer au niveau supérieur dans tes paris sportifs. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as la moindre question, tu laisses un commentaire. Et si tu as des amis, parieurs et traders que tu veux aider, eh bien, partage-leur cette vidéo. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.